la surface emblavée, du maïs, du sorgho, du haricot et de l'arachide. Mathias Nikema à la tâche pour enlever les mauvaises herbes. Nous sommes ici à Nambé, dans la commune rurale de Koubri, où la campagne agricole 2023-2024 bat son plein. Ces feuillages verdoyants donnent du boom au cœur de ces producteurs et productrices agricoles qui espèrent améliorer leur rendement cette année avec l'abondance de la pluviométrie. L'année passée à cette période, les maïs étaient déjà prêts à être récoltés. Mais cette année, la pluie a commencé tardivement. Mais depuis qu'elle a commencé, les cultures évoluent vite. Si elle continue dans cette lancée, nous pensons que la moisson sera bonne. Il y aura à manger. Au regard de ces productions qui présentent une bonne physionomie, la plupart de ces productrices agricoles sont confiantes que la moisson sera bonne au terme de la campagne agricole. Pour le moment, nous sommes satisfaites. Vous-même, vous voyez, les productions sont à un bon niveau grâce à la bonne pluviométrie. Nous souhaitons que la saison continue ainsi. Sinon, l'année passée, les récoltes n'étaient pas bonnes et cela était dû à l'irrégularité des pluies. Vraiment, nous ne pouvons pas nous plaindre de la saison pluvieuse de cette année, vu que les pluies viennent du saut à ne pas endommager nos productions. Pour la croissance rapide des productions, la plupart de ces producteurs font le mélange de l'engrais chimique et biologique. Moi, personnellement, je sais que l'utilisation des engrais chimiques n'est pas bonne. Mais c'est ce que j'utilise le plus souvent. Quand je gagne également la bouche de vache ou encore la fiente de poulet, j'utilise. C'est vraiment difficile d'avoir ces engrais biologiques tant que toi-même tu n'as pas ces animaux. Même si les producteurs pensent faire une bonne campagne agricole, force est de constater que les récentes pluies de ce mois d'août ont impacté négativement sur quelques productions comme le maïs. Quand il pleut de façon successive, en plus de grandes pluies, nos productions sont détruites, ce qui crée beaucoup de pertes. Vous voyez ces lignes de maïs, elles ont toutes été détruites, et cela dû aux pluies du mois d'août. Quand il pleut tous les jours, cela occasionne beaucoup de pertes. C'est vrai que nous voulons la pluie, mais quand il pleut chaque jour également, cela ne nous arrange pas. Si on a vraiment une bonne pluviométrie dans les mois à venir, les récoltes seront bonnes. Car cela ne tienne, ces producteurs sont l'espoir de toute la population burkinabé pour l'atteinte de la sécurité alimentaire.